Hey, salut à tous, c'est Wack, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur la chaîne de l'arrière-clan en espérant vraiment, vraiment que cette vidéo va vous faire plaisir. Bref, avant de commencer la vidéo, je voulais te dire, voilà, si tu peux liker cette vidéo, on approche très vite aussi des 10 000 abonnés. Voilà, et aussi un petit 300 likes, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Tu t'abonnes et tu mets un like avant de commencer la vidéo. Voilà, ça m'encourage, c'est rapide, ça fait plaisir et ça nous donne énormément de motivation, faut le savoir. Enfin bref, aujourd'hui, on va commencer le vrai sujet de cette vidéo que vous attendez tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, voilà, c'est parce que vous voulez voir qu'est-ce que ça va être les nouvelles armes. Voilà. Je vais pas vous dire, je ne sais rien des nouvelles armes, on ne sait pas, parce que personne ne sait qu'est-ce que ça va être les nouvelles armes, mais ça va être des théories. Donc voilà, si tu peux aussi interagir dans les commentaires, etc., dire tes avis, qu'est-ce que ça pourrait être les nouvelles armes. Aussi, si tu as des idées, voilà, sur la nouvelle arme, tu peux mettre dans les commentaires, tu mets, voilà, un commentaire en disant, je pense que ça va être ça la nouvelle arme, et je mettrai un commentaire et je mettrai un cœur sur ton commentaire, et en gros, bah, je interagirai avec vous. Donc voilà, si vous voulez interagir avec moi et que je réponds à vos commentaires, c'est que des théories, je ne dis pas que ça va vraiment sortir, on peut faire des petites conclusions comme je dis. Bref, on va commencer le vrai sujet de cette vidéo. Quelles sont les nouvelles armes? Moi j'ai quelques petites idées et je vais les faire part avec vous. Donc déjà, donc si tu es nouveau aussi, n'hésite pas à t'abonner et aussi de liker comme je l'ai dit. On va commencer le vrai sujet de cette vidéo. Ça a été annoncé, voilà, il y a eu la nouvelle arme minigun qui est plutôt pas mal, qui est plutôt pas mal pour détruire les constructions, mais qui fait vraiment pas de dégâts. Je suis déçu un peu parce que vraiment je pensais que ça allait être une arme vraiment très cheatée, mais vraiment qui pue vraiment la merde. En fait elle est bien juste pour les constructions, mais enfin bref, moi j'ai des petites idées. Après qu'ils ont sorti la nouvelle arme, ils ont bien dit qu'il y avoir une nouvelle arme et en gros la chasse surtive. J'ai quelques petites idées parce que vous savez très bien que dans les battles royales comme HSD, etc., il y a des arcs, des arbalète, etc. J'ai presque jamais joué à HSD1, mais je pense que bah voilà, à HSD1 je sais qu'il y a déjà un arbalète et un arc. Donc en gros je pense que ça va être une sorte de petite arbalète ou arc, quelque chose comme ça, et ce serait plutôt pas mal d'avoir un arc et un arbalète. Même s'ils font ça, je pense que ça va plutôt être pas mal parce que j'ai quelques petites idées comment ils pourront le faire dans ma tête, mais après voilà, c'est que des théories comme je l'ai dit. Faites vos théories comme dans la description et dans les commentaires comme je l'ai dit. Ça pourrait être pas mal, comme ça tu te prends une flèche, voilà, tu perds 50 points de vie ou quelque chose d'autre comme ça. Voilà, et en plus ça pourrait passer dans des bons petits clips du moment, etc., comme vous voyez qu'il y a pas mal en ce moment sur YouTube. Voilà, ça pourrait être assez intéressant. Moi j'aimerais bien avoir un petit arbalète, etc. Ça pourrait changer de Fortnite parce que là ils rajoutent un peu n'importe quoi, des miniguns pour détruire les constructions. Voilà, on sait pas qu'on s'en fout, mais ce qu'on s'en fout, nous on veut à peu près des armes comme un vrai battle royale. Donc ce serait plutôt pas mal d'avoir une petite sorte arbalète, un arc, etc. Après j'avais une autre petite avis d'avoir un buisson amélioré. Ouais, peut-être c'est pas une nouvelle arme, mais ça pourrait être aussi intéressant. Voilà, un buisson amélioré par exemple, quand tu passes devant le buisson, l'aide à la vie s'affiche pas. Ça pourrait être assez intéressant d'avoir un buisson amélioré. Moi j'aimerais bien, mais ça pourrait être aussi assez rageant. Après j'attends de voir aussi vos avis, interagissez aussi dans les commentaires pour j'attends de voir aussi vos avis. Aussi peut-être avoir une petite hache, etc. Quand tu te prends un coup de hache, voilà, tu te prends 100, peut-être 50, 75 points de dégâts. Voilà, un truc hyper cheaté, quelque chose. Donc voilà, mais on verra ça très bien dans la semaine prochaine ou voir dans deux semaines. Voilà, vous savez pas sans savoir non plus que Fortnite sort une nouvelle arme tous les deux semaines. Voilà, donc on verra dans deux semaines ou dans une semaine que ce sera nouvelle arme, et j'espère vraiment que ce sera ma théorie, un arc, une arbalète ou soit un buisson amélioré. On verra ça très bien, on verra ça dans une semaine ou dans deux semaines. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, on approche très vite des 10 000 abonnés. Tu peux lâcher un like, ça me ferait vraiment super plaisir. Moi je vous laisse et moi je vous dis à la prochaine.